quelques minutes de ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qui tombait encore de la neige en hiver. Dans ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. La panique qu'ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti et que les inondations ont frappé les grandes villes. Passent cependant toute une décennie. Ce fut les ouragans et puis les incendies. Les tremblements de terre en raconte de sécheresse. À tous les visages on disait la détresse. Plus rien, plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Dieu l'humanité, adieu.